Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, petit micro mouflette, là normalement on est bien, j'ai fait les essais, normalement c'est parfait, incroyable. J'ai voulu prendre le trépied, mais putain, ça fait super lourd et tout, c'est très bien avec le téléphone. Aujourd'hui, je pars à Bangkok, donc on va faire une petite journée à Bangkok. On va rouler à Bangkok, il n'y a que 144 km, donc je sais pas, là il est 16h. Donc en théorie, quelle heure il est? Il est 16h pile, tu vois. 16h pile, 16h pile, on va voir à quelle heure on arrive à Bangkok, à l'hôtel. On visitera l'hôtel. J'ai pris un hôtel 1100 et quelques bahts, donc ça fait une trentaine d'euros, tu vois. On verra ce qu'il y a autour de l'hôtel, éventuellement. Et puis, voilà, puis après on ira manger. Puis demain matin, on ira à l'ambassade. Ça permettra de passer une petite journée tranquille. Je reviens demain. Oui, c'est pas un gros road trip, mais c'est un road trip quand même. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez ce nouveau format. Je vais tout de suite écouter, voir si le rush, il est bien. Et puis voilà, avec ce double caméra, Forza, casque, cosmonaute, tout est bien. Tchou! Putain, 2h30 plus tard, c'est un truc de ouf. Eh, 69, mon chiffre préféré. Oh, Team Ronald. Bon, je me suis garé là. En fait, je suis arrivé par la route, là. En fait, c'est juste au bord de la route. Je suis déjà venu une fois ici. Et il n'y avait pas de parking du tout, parce que c'est une putain de nationale, là-bas. Et je passais par là, et je me suis demandé si je pouvais me garer. Attends, l'hôtel, il est là. Donc, je vais regarder vite fait en bas s'il y a un truc pour pouvoir se garer. Ou si c'est moi qui ai rêvé. Ça se ferme pas, ça. Je demanderai. Je vais demander. Je demanderai en haut si je peux venir me garer là, parce que... Ah, ça, je sais pas si ça craint à Bangkok. À Pattaya, ça craint pas trop, mais à Bangkok, on sait pas. Et 2h30, quel enfer! Quel enfer, mon ami! Oh, c'est horrible, c'est horrible. Il y a un trafic de psychopathes. Tout le monde revient de Pattaya et tout. Et c'est l'enfer. Voilà. Donc, du coup, on va aller à l'épaule. Espérons qu'il y ait quelqu'un. On va essayer de prendre la réservation. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Oh, c'est mignon! Et Sharma. Ok. Sadika. Oh, on voit là des jolis murs. Eh, hey, vas-y, c'est pas du multi-hang, tout ça, regarde. On me voit de partout. Bon, allez, 5e étage. Ce sera un peu la surprise, hein, vous l'aurez même tant que moi. Voilà. Oh, c'est bien avec tous les miroirs et tout. Peut-être que je deviens une vraie influenceuse. Influenceuse. Voilà, bon, 5e étage. Je peux bien mettre le scooter en bas, je vais demander. J'ai dit il n'y a qu'une porte. C'est pas visible, il n'y a qu'une porte. Bon, normalement, je suis surclassé VIP, il me fait flipper. 503. Oh, putain, la vache qui cache le lapin. Oh, putain. Ah, il m'a donné les serviettes et tout déjà, tu vois. Ok. Putain, il fait flipper, hein. Je te le dis, moi, son truc. Ouais, surclassé. Surclassé. C'est un peu, alors c'est super bien placé parce que, bon, je sais pas où c'est sur la carte, mais il y a un grand mall juste là-bas et ça c'est bien, voilà. Après, j'ai l'impression que je vais me retrouver qu'un mur là-bas derrière, les rideaux, merde. Eh oui, regarde, eh, vue sur Bangkok, ah non, je suis vraiment une langue de pute. Vue sur le train, regarde, eh, juste le train qui passe, regarde, t'as pas de la chance. C'est l'endroit et il est super bien placé, mais voilà. C'est bon, c'est pas mal, c'est qu'il y a un mall juste à côté. Donc du coup, tout à l'heure, vous savez ce qui vous attend, c'est qu'on va aller manger. On va se reposer un peu, pas prendre une petite douche, mais... Petite salle de bain. Oh, grande salle de bain. Regarde ça, il y a presque une baignoire, toilette. Non, en fait, c'est pas mal. Après, j'ai eu peur qu'on se retrouve. Et je pense que c'était le cas quand je suis venu la dernière fois avec les deux qui sont sur le côté, là. En pas premium, parce qu'ils m'ont... Ils m'ont surclassé Booking, comme je book un peu trop, le book. voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est propre. 1100 et quelques bahts, ça fait 30 balles. 30 balles, on est quand même dans le centre de Bangkok. Je mettrai la localisation en bas. Bon, bonne nouvelle, voilà, je suis arrivé. Enfin, je vais me détendre un peu, puis vers 7h, on ira, parce qu'il y a vraiment un mall énorme. Je vais mettre le scooter en bas, déjà. Et il y a un mall énorme, là, à côté... faire du shopping. Bim, ben voilà, regarde, on n'est pas bien tout seul. J'ai demandé, je dis, vas-y, on peut mettre, je peux mettre un scooter. Il me dit, ouais, pas de problème. Alors, c'est, je crois que c'est un peu chinois. S'il y en a qui viennent, quand on regarde du côté de la route, c'est beaucoup plus chinois. Alors, j'ai pris le steadicam. Et après, je me suis dit, tu sais, j'ai pris un steadicam avec un support. Et après, tu vois, il y a le métro là-haut. Regarde, si tu vois, j'ai pris le steadicam avec un support. Après, je me suis dit, ouais, steadicam, c'est chiant, je vais prendre que le support. En fait, c'est pire. J'aurais dû prendre le truc. Non, mais ça permet de le tenir, tu vois, à bout de bras comme ça et d'avoir un peu dans la rue. Donc, il y a un arrêt de métro juste à côté. Donc, ça peut être
ça peut être super intéressant. Un, l'ambassade, elle est à 2 200 km. L'ambassade de France, donc voilà, tu vois, comme ça au moins t'es pas loin. Et là, donc comme il y a un arrêt de métro, il y a plein de trucs, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait un mall en passant sur la route, là. J'ai vu qu'il y avait un grand mall, là, il y a un parking, ça doit être pour garer des voitures. C'est GSG Information aujourd'hui. Non, mais t'as compris, c'est... T'as des capes ? Voilà, t'es trop belle. Non, je déconne. Enculé de base. Non, mais voilà. Donc, on le fait un peu en même temps. Alors, moi, j'étais déjà venu, mais il y a longtemps, et c'est vrai que je m'étais posé là, et je trouvais ça plutôt pratique, parce qu'il y a plein de... Alors... Voilà, on est bien en Thaïlande. C'est bon, déjà. C'est une bonne nouvelle. On a roulé, quand même. Hein. On a roulé un peu. Il y a le drapeau, là-bas. J'aime bien le... Vous me direz, j'aime bien, moi, le côté avec double caméra. Si, en plus, le son, le micro-cravate, il est bien... Non, j'aurais dû prendre la paire, je suis très con. Je suis très con. J'ai envie, au lieu de le prendre, le... Attends, en plus, il y a la place dans mon sac à dos. Je suis très con. Bah. Mais bon, je suis de... con, mais de moins en moins con. Voilà. Après tous les problèmes qu'on a eu avec le. Comment dire, avec la. L'Insta 360, là, le fait avec celle-là, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Bon, déjà, il y a un Pizza Hut. Il y a un Amazon. Il y a un... Leur support, ça c'est bien. Pizza Hut, c'est pas mal, mais j'ai vu qu'il y avait un Burger King aussi. Bon, Pizza Hut, pas de ouf, hein. Pas de ouf. Il y a un truc de café, non, mais c'est un truc dans le 7-Eleven. Il y a un 7-Eleven déjà, tu vois, comme ça au moins, quand je reviens, voilà. Quand je reviens, tu sais que pour acheter ma bouteille d'eau, ça va être pas mal. Smart. Là, pardon madame, oui, je sais, moi, comme un psychopathe. Je suis un psychopathe. J'ai perdu le centre commercial. Mais il y a un grand truc, tu pouvais pas passer à côté. Ça doit être ça là-bas, regarde, on voit il y a les parkings pour les voitures et tout. Voilà, mais ça fait un peu la balade, tu vois. Au moins tu vois un peu ce qu'il y a et tout. Mais vraiment la situation était bien. J'ai regardé quand je suis. Bah, après c'est vrai que j'étais en scooter, je peux regarder, il se trouve qu'il y a 1 km. Putain, 1 km à pied. Ouais, ça use, ça use. Alors attention, parce que les gens, il faut qu'ils fassent attention. On les voit dans tous les sens. Hein. Moi, je vois devant, c'est bien. Je vois derrière aussi. Hein. Attention. Hein. Je suis. Par contre, ils chauffent à mort. Alors, elles sont bien ces coques Pitaka en fibre d'aramide. Un isolant thermique pour les fusées, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un isolant thermique. Et que quand ça chauffe, bah, ça chauffe. Et donc du coup la coque bloque et ça chauffe encore plus. Voilà. Donc c'est pas... Eh, 9 teams de massage, regarde là-bas. Si là, ça vend pas du rêve. 9 teams de massage, ça veut dire que c'est les 9 teams, c'est les jeunes. Et massage, voilà quoi. Est-ce que... Il va y avoir 4 grand-mères dans le truc. Bon, ce qu'on va faire. Vu que je suis parti pour manger une heure, on va marcher encore un petit peu comme ça. Non, mais il faut que je prenne le trépied. Si j'ai pris le trépied là, à bout de bras, c'était parfait. Parfaitement, il y a DHL là-bas et tout. C'était exactement ça. Il y a de relax time massage là-bas. Oh, les étrangers me regardent comme un dingue. Je suis pas dingue, je suis gêné, le dingue. Ça change tout. Il y a un Irish pub. Ah ouais, ça y est. Ça, là il y a un bus, là, t'en vois des choses. Hein. Ah, je sais, là il y a des DHL, très très thaïlandais. Je vais mettre comme ça à bout de bras. Ouais, mais j'aurais dû prendre la paire, je suis très con parce que le problème c'est qu'avec la caméra pour voir moi, on est beaucoup trop. Voilà, je suis beaucoup trop proche donc il faut que je me mette toi loin comme ça pour que ce soit sympa. Avec le micro-cravate, du coup, le son va être parfait. C'est un setup de dingue. Bon, c'est là-bas. Regarde. Ceux qui connaissent vont me dire putain mais évidemment c'est là-bas. T'es con quoi. Mais ouais. Quand tu sais, tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. Non c'est ça, c'est là-bas. Allez, je vais faire une petite pause, le téléphone il a chaud. J'ai traversé la route un hein. En fait je me suis arrêté là-bas, j'ai traversé là. Et je me suis dit incroyable, trop bien. Non mais voilà, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas... En plus je suis pas dans le jeu.
tout. Putain, j'ai eu 2 heures et demie. Et le but, c'était vraiment, de venir là, de dire je suis pas en galère pour partir demain. Il y a plein de monde trop bien ici. C'est joli ici à l'île. Je sais ce que c'est, c'est joli. Bon, les Indiens. Alors apparemment, pendant un moment, il y a beaucoup de trafiquants, mais plutôt des afro-américains, mais voilà. Et là, c'est plus... ils sont là, au bord de la route, à côte. Rolex, sympa. Plein de trucs là. Oh, ils ont des tableaux. Là. Voilà. C'est joli. Bon, pardon. Voilà. Là, c'est un des signes révélateurs. S'il y a un McDonald's, putain, pourquoi je flippe la perche? Qu'est-ce que je suis con? Mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi con? Le mec, je prends, j'ai le support, je prends la perche, machin, et avant de partir, je me dis, ouais, non, machin. Oh, Sunrise Tacos grille. Et tu sais quoi? J'ai fait une story sur Taco Bell. Putain, la story, c'est la seule qui a marché le mieux. C'est juste Taco Bell. Oh là, la rue, elle me plaît plus, la Banana Room Club. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est sympathique. Je pense que je suis dans le quartier qui est rose. Non, s'il y a un McDonald's, pour revenir à McDonald's, s'il y a un McDonald's, c'est que, McDonald's, il faut venir tout au marché, et ça veut dire qu'il y a une densité de population qui est intéressante. Voilà. Qui justifie de mettre un McDonald's. Je ne sais pas si je justifie de me balader comme ça. Mais non, j'ai écouté le son. J'ai écouté le son pour voir si c'était bien avec le micro et c'est top. Ça grésille pas. Là ça va pas mourir. Mais il y a le cannabis. Ça va être un de mes points pour faire tous les cannabis chauds. Il est où? Vous ne le voyez pas, il est derrière. Ah, mais c'est lui, je comprends rien. Je suis pas un youtubeur, je suis un touriste avec un téléphone. C'est le même. Je n'ai pas trouvé de jeu de mots. Je suis désolé, j'étais en même temps en train de chercher et j'ai pas eu d'information. Oh, ben voilà, regarde, putain. Oh là-bas, regarde, de toute beauté. Regarde le 7-Eleven au milieu et tout. Putain, c'est pas rouge. Alors est-ce que si je vais là, celui-là, il va accéder en même moment. Ils sont en train de jouer à l'autre, la tablette et tout. Bon, revenons en nous. Putain, mais il est où ce mall? Ils l'ont déplacé entre temps, t'imagines, sur foi. Essentiel. J'aimerais bien. Oh putain, mon pantalon, il est vite. J'aimerais bien Gucci. J'ai vu Céline, enfin, dégueulasse. J'ai vu cette déco, il a acheté un. Ça, ne vous emballez pas, c'est un homme. La grosse épaule. Et la bite. Mais ça, c'est. Vous pouvez pas voir d'ici. Donc, il est pas de l'autre côté, le mot, là. C'est parti. Ils m'ont bien eu. Moi. Je suis arrivé de vous alors. Il est là-bas, quoi? Ah, c'est là-bas, Central, le festival. Central. Putain, je suis très con. Hein. Je suis très, très, très mauvais. Hein. Bon, je... Bon, je vous reprends du côté. Là. Je vous passe la douleur de l'escalier. Bon, là, on est... Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est ça. Et il y a bien, évidemment, une liberté qui arrive dans le monde. Si, évidemment, il y a toujours une enquête. Alors, je ne suis pas dans le monde parce que c'est interdit, hein, trop, tout ça, tout ça. Mais s'il y a un truc intéressant, et surtout quand je vais manger, je commence à avoir un peu la peur. C'est un peu plus de temps.
Coca-Cola, pas Pattaya. C'est tout. C'est l'histoire de l'année. Putain, c'est l'enfer, je suis perdu. Partout dans la vie et tout, je sais pas où je... C'est le moment professionnel et tout. Bon, ne me jugez pas, mais bon, je crois que je vais me faire un Burger King ou un truc facile. Il y a plein de trucs japonais là-bas, mais bon, c'est tout seul comme ça le soir. Un peu ma claque là, avec tous les kilomètres et tout. Et ça, il y avait une meuf là. En fait, je suis passé en haut là. Je suis arrivé par là. En fait, j'ai monté là-bas. Je pensais qu'on pouvait traverser. Je lui ai dit, oh, je vais avancer un peu. En fait, tu peux pas. T'es obligé d'aller jusque là pour redescendre et revenir. Et il y avait une meuf, puis je la suivais, pas de ma faute, c'est parce qu'il fallait que j'aille là, et puis je marchais à la même rythme qu'elle, parce que voilà, j'aime bien mater son cul, quoi, voilà, soyez honnête. Mais non, mais je marchais les autres, puis t'es là, tu sais, du coup, c'est ça, et à un moment, elle arrive en haut, comme ça, puis tu sais, elle avait sa casquette, elle avait des longs cheveux, elle était belle, hein. Puis après, elle voit qu'on va pas du tout dans le même sens, elle était un peu déçue, elle me regarde, c'est genre, tu vois, elle a bien aimé que je la suive, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai pas le temps. Il y a plein de rues sympas, de bas, puis il y a le massage neuf-tiles. Alors du coup, je sais plus du tout de quel côté je suis, si je suis et un burger. Je ne me jugeais pas. Je vais faire un burger aussi, parce que en fait, je m'en fais pas. Bon, Top House Barbecue, c'est dans la musique, c'est pas. Après, il y a un Texas machin et tout. Il y a un Décathlon là-bas, regarde. Il y a un 7-Eleven, c'est le paradis. C'est le paradis. Les massages, 7-Eleven et un Décathlon. Burger King qui a été... Je vais faire un... Je suis désolé. Je sais. C'est mal. Mais bon, en même temps, c'est ma vie, quoi. Merde, ça va. Je vais faire un petit Burger King et un petit peu. Bon, bah, au moins, j'ai mangé. C'était pas incroyable, mais au moins, j'ai mangé. Allez, on ressort et puis on va essayer de retrouver mon chemin, ce qui n'est pas gagné. C'est toujours cannabis. Hein. Ah ouais, c'est illégal. Hein. On est un peu partout. On va s'y mettre. On s'en a exprimé. Non, mais faut visiter un peu. Enfin, au moins ce Pattaya. Après, pas consommer. On sort d'aller voir après chaque fois, parce qu'il y a toujours marqué. Il a beaucoup de café. Il y a le café, tu vois. On va voir le café. Plus je vais monter sur la route, plus je vais voir des trucs vachement mieux que ce que j'ai marqué. Bon, c'est le pays. Ça a nourri son homme. J'aimerais bien pour emmener jusque là-bas, un, parce qu'il faut qu'on s'arrête au 7-Eleven. C'est sûr. Je suis arrivé par là. J'arrivais par là, j'ai vu que c'était à droite et j'ai pris de... On va pouvoir retraverser là-bas, c'est sûr. Je vais retraverser de l'autre côté. On ira voir la petite rue où il y avait les bars et que ça avait l'air sympa. Donc, que ce soit là. On va faire la même route. On va faire la même route pour être sûr que ce soit au même endroit. Et One RS, leur nouvelle 360 avec les deux lentilles Leica 1 pouce, et je leur avais proposé de venir à Bangkok avec la caméra, tout ça, puis après j'avais demandé un prix sympa en plus, ils avaient dit mais paiement, tu sais, à 45 jours évidemment, tu sais, fin de mois, en plus fallait venir, fallait faire la vidéo, enfin c'était beaucoup de boulot quoi, en gros, c'était tout compte fait, c'était pas si intéressant que ça pour moi de perdre 3 jours à venir là.
faire le tourisme, machin et tout, plus les frais, plus la vidéo. L'angoisse avec ce Bangkok, c'est quand même un peu. C'est un peu l'angoisse. Malgré tout, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce que je veux dire ? J'aimerais bien vous retrouver le. Comment dire ? La. Oh, les chaussettes ! Moi, quand j'ai les chaussettes Nike, je trouve qu'on a les trois paires. Je sais ce que tu es en train de te dire. Ah là, c'est tout. Bah ouais, parce que. Non, mais je te sens curieux. Zod. Le bordel. Voilà. Je te sens curieux. Et oulala, mais c'est la rue des hommes qui aiment les hommes. D'accord. Ouais, mais banane rouge, c'est pour les hommes qui aiment la banane. C'est pour ceux qui aiment la banane. Oui, je me sens. Ah ouais, non, mais je me suis complètement perdu. Là, ouais, on est sur la rue des Adam. Ok, ok, c'est bon. Voilà. J'ai ma réponse. Ben voilà. Sur un malentendu. Adam, banana, t'as compris quoi. C'est bon. Voilà, bah je suis. Eh, on n'avait pas vu ça. Ouais, les meufs, elles disent ouais, mais là, vous êtes tranquille, les meufs. Bon, bah, vous avez compris que. Voilà, j'ai essayé. J'ai arraché le micro, ça m'a grésillé. Oh, putain, bah ouais. Ouais, c'est le quartier des. Le quartier des hommes. Bon. Ça, je suis une vraie gazelle. Ah bah attends, moi j'ai fait Colan, maintenant, dire c'est pas. C'est pas bon côté. On va passer là-bas, on va arrêter au 7-Eleven acheter à boire et à manger. On n'ira pas à Team, au 9 Team Massage, des autres côtés. Quoique, ça aurait pu mériter. Plus mériter qu'on aille là-bas pour voir 9 Team Massage. Il y aurait beaucoup de trafic. Allez, je te refais la rue dans ce sens-là parce qu'on l'a pas fait. Pour aller voir les team massages. Si jamais il y a vraiment 9 jeunes filles, 9 vierges. Si les 9 vierges m'attendent là-bas, voilà. Comme c'est marqué. Pas sûr. Les 9 mamans. La caméra, mais ça ne fait pas. Eh oui, mais je suis très con, j'aurais dû prendre. Bon, allez, on va accélérer ça. Bon, je vous reprends tout à l'heure quand on arrive à bord. Psychopathe. Eh ben non, regarde, on n'avait pas traversé là. Parce qu'on était passé là tout à l'heure. Regarde, on est à Nike Market. Allez, vas-y. C'était des dégâts.